partie du projet Superformer, un dispositif départemental visant, enfin, disons que Superformer fait partie de la démarche Figure Libre, qui est même un dispositif départemental visant à faire collaborer des artistes avec des professionnels et des usagers de structures sociales. Céline, Poulain, Julie, Pellegrin, Olivier Marbeuf, Mathilde, Villeneuve, Laura, Kat, Sophie, Lapalou et Stéphanie Héro. Fréquentant la Maison des Solidarités de Noisy-le-Sec, regroupant l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, la PMI, la protection maternelle et infantile, et le service social. J'ai invité les participants et participantes à réfléchir à leur héroïsme quotidien, c'est-à-dire les actes de courage récurrents ou exceptionnels qui ponctuent leur vie. Par exemple, cuisine, danse, chant, modelage, jonglage, dessin géométrique, connaissance de deux ou plusieurs langues. J'ai également proposé à artistes et intervenants 5200, artistes et intervenants 9300, production et ateliers 500, production, restitution 5200. Chaque participant a réalisé une action dans son quotidien, c'est-à-dire en dehors du cadre strict des ateliers. Durant ces 8 mois, j'ai enregistré ces gestes, récits et réflexions pour en faire une pièce sonore que vous pouvez écouter sur la web radio R1 de tout le monde à l'initiative de 2 micro-voix, plus 2 pieds micro, plus pied, plus table percussion, l'espace Chiasma, et également penser une performance collective qui a été présentée la semaine dernière à la salle Joséphine Becker, réalisée avec les participants et sous le regard de la pratique féministe n'est pas réservée aux seules problématiques de la femme du genre, mais participe à une politique globale. Objectifs finaux sur le public cible, atteindre davantage de publics éloignés de la culture, participer à la redynamisation des individus en vue de leur insertion sociale et de leur autonomie. Du projet avait consisté à écrire des performances sur mesure pour les membres de la galerie à partir d'éléments de leur vie, des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer ou de leurs talents spécifiques. Ces performances réalisées par les membres de l'équipe, double jeu de légitimation se met ainsi en place entre l'artiste et l'institution. Les centres d'art, FRAC et musées, qui privilégient des pratiques collaboratives, participatives, pédagogiques ou ludiques ou bien réparatrices, pensent gagner en légitimité auprès de leur tutelle en affichant un souci social à l'heure où, sur leur lieu de travail habituel, remettez en perspective les frontières entre les sphères privées, publiques et professionnelles. Par exemple, Florence Marquerolle, chargée du public et du programme culturel de la galerie, avait récité un texte sur l'organisation, date 31-01-2017, présent, voire feuille d'émargement. Bref, compte rendu. Nous avons débuté l'atelier par la lecture d'un journal de bord que Violaine Lechu nous avait demandé de réaliser pendant sur l'organisation de la carrière territoriale, tout en faisant de la danse orientale. Cette performance mêlait donc une activité de loisir d'emploi, appuyez sur la touche 1. Sinon, appuyez sur la touche étoile pour revenir au menu principal. Cela révélait en quelque sorte sa polymorphie sociale. La dernière phase du projet a été d'écrire ma propre performance. Cela a été complexe puisque je ne pouvais pas. Nos conseils pour maigrir vite et ne pas reprendre. Avoir la même distance, le sujet étant qu'on utilise à définir le concept de sculpture sociale moi-même, et qu'à la différence des personnes de 96-03-130-056-95 pour lesquelles j'avais déjà écrit des performances, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. J'ai cherché à écrire une performance où mon corps et ma voix maximisaient le champ de déconcevoir. Budget Christophe, devenez les supports d'une histoire. Émile Montada, au Gioia Bella, venir mes amours et faire attention, capacité d'un même individu à se présenter voilier 600, transport 60, mutuel 60, nourriture 300, sous plusieurs formes, à un même stade de développement. Ah,
par exemple chez les thermiques. Par exemple, le livre de Nathalie Quintable, Que faire des classes moyennes. Par exemple, chez les lépidoptères, tout d'abord, œuf, puis larve chenille, puis chrysalide, et enfin papillon. Ce que l'on appelle scientifiquement le stade final adulte, ou encore l'imago.